Salut à tous, je vais vous montrer un petit bonus qu'il y a sur le mode solo. Vous voyez en haut là le petit logo, vous appuyez dessus et vous aurez un petit jeu arcade qui s'appelle Dead Ops 2 Arcade. Et en fin de compte, c'est un petit jeu en mode zombie en 2D. Vous allez voir ça, un mode vue au-dessus. Hop, quand ça va se lancer, voilà, il y a le petit trailer qui est avec, qui est assez sympa. Rigolo, je crois qu'il y a eu le même jeu sur Black Ops 1, si je me rappelle, il y avait une astuce comme ça aussi pour avoir un petit jeu arcade. Je me rappelle plus si c'était le 1, Dead Ops 1, je sais plus. Ça y ressemble beaucoup. Vous allez voir le petit intro avec le petit gorille là, avec son poulet. Un petit peu délire, tout, vous allez voir le mode est assez sympa. Par contre, j'ai regardé, on peut pas jouer à plusieurs, un mode 2 ou 3 joueurs, ou 4. Un petit jeu arcade assez sympa, vous trouverez un mode, comme je vous disais, un mode solo devant le premier ordinateur que vous avez, là où il y a tout marqué de votre liste. Vous verrez juste en haut, il y a un petit logo à gauche, et juste à cliquer dessus et ça lancera le petit jeu comme ça arcade. Voilà, hop, voilà, il a piqué le poulet comme on dit. Voilà, hop, le temps que ça se lance, voilà, c'est parti, voilà. Voilà, c'est assez sympa, ça se joue avec le stick droit, vous avez juste à le maintenir et vous avez le petit tir, voilà, vous avez la vitesse rapide, la petite bombe nucléaire. Hop, là, il faut ramasser les petits colis qui est un petit bonus, après vous pouvez déclencher d'autres armes, on peut avoir la vue à la FPS aussi à des moments, vous allez voir, je vais vous montrer ça juste après. Voilà, c'est un petit mode zombie, bon, ça c'est sympa. Moi je suis arrivé à la 9e manche, si je me rappelle. J'ai pas allé plus loin parce qu'après ça devient de plus en plus dur. C'est pas mal à faire. En plus, si vous arrivez à le débloquer, vous aurez un petit succès. Je vous le dis d'avance pour ceux-là qui veulent faire les succès. Hop, là c'est pour ça. Un petit lance-patate. Alors il y a le lance-flamme, le fusil à pompe, le mitrailleur, le petit laser qu'on retrouve dans les modes zombies. Là il y a le petit oiseau, là, genre de pigeon là, qui vous sert aussi de protection ou de tir, c'est pas mal. Alors c'est bon, c'est vraiment c'est un petit défouloir, voilà. Alors, pour pas se prendre la tête, quand vous allez marre de jouer, là je vous montre un petit peu les options qu'il y a. Voilà, quand vous allez marre de jouer à Black Ops, vous pouvez jouer à ce petit mode de jeu qui est assez sympa. Voilà, là je suis à la 2e manche, hop. Je suis arrivé à la 9e manche, mais je peux vous dire que c'est très 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 dur. Après, hop, essayez de vous montrer la vue à la FPS. Ça y était pas sur l'ancien, je me rappelle, sur le jeu d'arcade. Ah voilà, j'ai pris, voilà, genre de patate aussi, là aussi. Essayez de changer d'arme, hop, si je peux trouver, voilà. Alors, au début, les vagues sont pas trop dures, mais après, au fur et à mesure, vous allez voir, les vagues vont arriver de plus en plus, ça va être de plus en plus dur. Pas évident. J'essaie de vous montrer un maximum, d'aller le plus possible. Voilà, bon, je fais un petit peu le con parce que comme je suis en train de commenter en même temps. Hop. Allez, hop, 3 manches. Bon là je prends pas tout. Hop, j'essaie de vous montrer plus de manches possible. Je crois que c'est ici qu'il y a le bonus. En vue FPS, je sais pas si c'est ça. Ah si, c'est ça, ouais, voilà, la vue FPS. Voilà, on se croirait dans le mode le petit mode zombie. Un fusil à pompe, on va prendre. Oh la vache, il est comme le fusil à pompe. Ah, c'est comme je vous disais, c'est sympa, c'est vraiment pas mal. Oula, oula, j'ai failli me faire bouffer là. C'est dommage, on peut pas se transformer en zombie. Ça, bon, voilà, c'est pour montrer surtout cette petite astuce, si vous connaissez pas, qui est souvent sur les Black Ops. Il y a souvent des petits bonus comme ça. Là, je voulais vous montrer ça. J'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous dis à plus. Ciao.